Dans cette troisième et dernière série, un focus sur le BSAR, la mécanique alternative de financement à l'augmentation de capital qu'on a vu dans la première série. On y parlera à la fois des différences entre l'augmentation de capital et de ce BSAR, et on reviendra ensuite sur les principales conditions et les principaux termes à bien maîtriser pour réaliser votre levée de fonds sous forme de BSAR. Dans cette série, on va faire un focus sur le BSR, le bon de souscription d'actions par accord d'investissement rapide. C'est une mécanique qui a été importée des États-Unis, notamment du SAFE, le Simple Agreement for Future Equity, issu et créé par le célèbre incubateur Y Combinator, qui a notamment accompagné Airbnb et bien d'autres. En France, on l'a importé depuis 2013, donc ça fait un certain temps, mais maintenant seulement, la pratique, tout le monde commence petit à petit à l'adopter. Le premier point qu'on va aborder sur le BSR, c'est notamment la différence avec l'augmentation de capital. En effet, le BSR est une mécanique de financement, comme celle de l'augmentation de capital avec une levée de fonds auprès d'investisseurs. Le sujet est donc le même. On parle de financement, on parle d'investisseurs. La mécanique, elle, juridique, est différente. Parmi ces différences entre le BSR et l'augmentation de capital, y figure notamment l'aspect formalité et la lourdeur administrative. En effet, le BSR est purement contractuel, il n'y a donc pas de formalité à réaliser comme pour l'augmentation de capital. Les investisseurs qui investissent sous ce format-là n'ont pas à transférer les fonds sur le compte d'augmentation de capital, donc il n'y a pas de compte d'augmentation de capital à ouvrir dans ce cadre. Les fonds sont directement versés sur le compte de la société. Idem, vous n'allez pas fixer de valorisation avec le contrat de BSR, mais vous allez l'encadrer. La dilution également est une des différences avec l'augmentation de capital car elle a lieu de manière différée. Comme la valorisation, celle-ci est aussi différée. Vous n'allez pas avoir à discuter tous les termes liés au pacte d'associés également parce que vos investisseurs ne rentreront qu'ultérieurement, soit à l'occasion d'un prochain tour de financement, soit à l'occasion de l'arrivée de la date butoir. Et donc ce qui rend ce BSR plus flexible, plus rapide, c'est pour cette raison que les entrepreneurs utilisent souvent le BSR pour des financements early stage, pré-seed, auprès de friends and family ou de business angels, voire même de fonds d'investissement. Certains peuvent investir sous cette forme de BSAR. La flexibilité, le focus sur le business et le développement de votre activité est clé quand on parle de financement en BSAR. La valorisation et la structuration sera pour plus tard, à un stade plus mature.